Il y a 20 ans, quand on a monté ça, c'était un peu scandaleux de monter un lieu un peu dédié au sujet. Et on se demandait si comment on allait l'appeler le musée, si on l'appelait le musée du sexe, le musée de l'érotisme, le musée de l'art érotique, le musée des arts érotiques, comment on allait le qualifier en fait. En fait, si on allait garder le terme de musée, puis on s'est dit, pourquoi pas? Après tout, personne ne le fait, pourquoi on ne va pas l'appeler comme ça?